Berger, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans les bureaux du Scotch. Bienvenue. Loire. Merci. Marc Maisoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur délégué à la prévention. Merci madame de nous accueillir à la Mure. Mais c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir. À Vienne Condrieu Agglomération, c'est bien ça? C'est ça. Bonjour Valérie Paron. Bonjour. Super. La santé est une politique, c'est une politique publique d'abord, c'est aussi le quotidien des Français, c'est le quotidien de chacun d'entre nous. Et donc l'objectif c'est que toutes les institutions, donc qu'elles soient de l'État, qu'elles soient des collectivités, se l'approprient. Et effectivement les déterminants de santé qui ont un effet sur la santé sont nombreux. Ils sont multiples. L'essentiel, c'est effectivement le monde dans lequel on vit et l'impact de notre entourage et de notre comportement. C'est deux éléments essentiels. Ce que j'ai découvert, moi, c'est qu'en fait, la santé, ça rejoignait tout un tas d'autres préoccupations et que demain, et je le pense vraiment, ça va être au cœur. Ville et la santé, c'est forcément rattaché à l'urbanisme, naturellement, bien qu'au départ, ça ne soit pas naturel pour nous de penser santé dans l'urbanisme. Un bien grand mot, mais en fait, on n'y associe pas grand-chose au départ quand on n'y réfléchit pas. La réflexion qu'on se dit, finalement, tout est santé dans une ville à partir du moment où on fait les choses comme on doit les faire et le cadre de vie prend une importance capitale dans le bien-vivre et dans le bien-être et donc dans la bonne santé des gens. Très rapidement que la santé était complètement transversale de ces thématiques. L'état de santé de la population dépend de son environnement qui est souvent dégradé, de l'offre de santé qui n'est pas présente et de multiples facteurs, notamment l'accès au travail, l'accès bien sûr à l'offre de soins, l'accès à tous les services publics tout simplement. Et ce sont effectivement des facteurs essentiels pour la santé. Santé, hein, parce qu'on est toujours un peu de respect humain, d'amour propre, voilà, on n'est pas diminué. Ben si, on met ça sur la place et on le partage. Et... Ça, c'est pas né hier, mais c'est vrai que le mot santé, on ne le mettait pas là-dessus. C'était des réflexions, des améliorations, du bien-être dans la vie des gens, de la commodité, mais ce n'était pas le mot santé. Et or, que, oui, bien sûr que ça en fait partie, c'est complètement la santé. Mais c'est le cadre de vie, du coup.